Bonjour les chéris, d'ici au Portugal et de partout ailleurs. Eh ben oui, vous restez mes chéris, hein. Il n'y a rien à faire. Et c'est normal que, ben, comme dans toute relation, ben, des fois il y a des schismes, hein. Alors, oui, alors je vais commencer par la technique. Mais oui, la vidéo, la dernière vidéo que j'ai envoyée, c'est une qualité ben, de merde, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Tout simplement parce que oui, y en a plusieurs qui ont trouvé la raison. C'est simplement parce que j'ai pratiquement pas de réseau. Alors, je suis super bien, je suis dans un spot qui me plaît bien. Mais oui, j'ai pas beaucoup de Wi-Fi, d'Internet, de réseau. Donc, j'ai galéré, mais j'ai mis quand même presque 2 jours à mettre en ligne la vidéo, mais avec une solution atroce. Alors, les puristes, fermez vos oreilles. J'ai pris mon téléphone, j'ai filmé mon écran d'ordinateur pendant que la vidéo passait. Et ensuite, avec le téléphone, j'ai mis des heures et des heures à le mettre en ligne. Parce que même le téléphone, bah bien sûr, il a du mal à passer du réseau, quoi. Alors j'aime bien parce que je ne suis pas en montagne, je suis à 70 mètres d'altitude. Mais le réseau, ben, il a du mal, il rame, il rame, il rame. Alors c'est suivant les moments. Mais derrière moi, c'est un bâtiment abandonné en pleine nature. Parce qu'il y a plein de moutons et tout, par là, des vaches aussi. Je ne les ai pas vues, mais j'ai entendu les ding-ding. Alors, non, non, je n'ai pas changé. Non, non, non. Je n'ai pas menti sur la situation avec John. J'avais envie qu'on s'amuse. J'avais envie qu'on s'amuse. Voilà, j'avais dit, attends, on fait pas voir que t'es là. Tu sais, le genre un peu suspense. Avec Chrissa, on s'est dit, allez, on fait un peu de suspense, on se sépare et machin. Le suspense, tu vois, parce qu'après tout, depuis tous les mois que Chrissa et moi, on t'envoie des vidéos, ben, on est tout le temps toutes les deux. Bon, on avait un peu des craintes que ce soit un peu lassant ou autre. On a dit, allez, on va essayer de faire du suspense. Suspense, la séparation, le machin. Je reconnais, mea culpa, qu'à la fin de la vidéo, bah oui. De toute façon, ceux qui me connaissent, bon, je suis un peu, bon, pas déçue, mais je suis pas surprise de vos réactions où, bon, bah voilà quoi, on cafouille un peu et voilà, on s'en retourne plein parce que vous aussi, bah, vous êtes des passionnés. Oui, je m'en vois tenir à deux mains parce que oui, j'ai toujours pas de support pour mon téléphone. J'ai toujours pas l'habitude de filmer avec mon téléphone. Et bon, vous êtes dur, très très dur pour certains avec moi. Bah écoutez, bon, quelque part, c'est normal, hein, parce que je pense que je me suis pas bien fait comprendre dans la vidéo, c'est que j'ai reçu, on a reçu beaucoup de mails, d'insultes, des trucs, des conseils, comme quoi fallait se protéger, se protéger, se protéger. Il y en a même qui sont passés par les gendarmes, etc. Et c'est pas ma conception. Moi, j'ai envie simplement de partager, j'ai envie de m'amuser. Et dès qu'on dit un truc de travers, mais on se fait lyncher. Et du coup, bah, c'est pas à vous, l'ensemble de mes abonnés, que j'ai dit que je t'emmerde, je vous emmerde tous. Non, c'était vraiment aux haineux, aux rageux, etc. Oui, je sais. Vous allez me dire, ouais, faut pas faire gaffe parce qu'il y aura toujours des rageux. Ils sont pas finalement très, très nombreux. Mais oui, vous avez raison, mais ça fait mal. Et avec je vous emmerde tous, c'était dans ma violence de tous ces gens mauvais, quoi. Tu vois, ça fait, mais ça te blesse en plein cœur alors que toi, tu as envie de faire un truc sympa dans ton coin, envie simplement de partager et tout. Et puis finalement, bah voilà, c'est tout. Alors, sinon, au niveau de la surprise, bah oui, on voulait jouer un peu le suspense. Donc oui, John a un peu merdouillé en faisant voir Coquelicot, on voulait vous faire une surprise et tout. Bon, bah ça s'est loupé. On voulait vous faire voir aussi que non, non, Chrissa et moi, ça fait 14 ans d'amitié. Je pensais que les abonnés qui sont là depuis toujours s'en douteraient, etc. Il y en a qui s'en sont doutés. Et oui, voilà, là je te montre, bah oui, effectivement, il y a le fourgon de la morue à côté. Tout simplement parce que oui, Chrissa avait envie de rester. Attends, je te montre, voilà.
Krista avait envie de rester à l'Atlantique, mais sans colère, sans rage, sans rien du tout. Voilà, c'est son besoin à elle d'avoir un peu d'Atlantique. Et puis, voilà, ça nous fait du bien aussi de se séparer pour quelques jours. Et non, 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 vous n'allez pas suivre de chaîne. On reste sœurs, sœurs de cœur. On s'est adoptées l'une l'autre il y a quand même pas mal d'années. Et oui, on reste sœurs adoptives de cœur ensemble. Il n'y a vraiment, vraiment pas de souci. Aujourd'hui, je vais descendre. Ouais, je suis à 70 mètres hein, d'altitude à Alcacer Dossal. J'espère que je pourrai envoyer cette vidéo. Non, non, tout se passe bien. Le ton reste le même. Ça y est, je suis, je pense, soignée de tout ce que je me suis pris en pleine tête. Pourquoi j'ai mis Crissa un peu de côté? Parce que, encore une fois, parce qu'on dirait que, bon, voilà, vous avez oublié. Pour rappel, quand même, cette chaîne, je l'avais faite toute seule. J'avais invité Crissa à venir me rejoindre sur cette chaîne, à faire aussi la chaîne avec moi. Bon, elle était moins passionnée de vidéos que moi. Là, je sens que ça lui fait plaisir de faire les vidéos et tout. Bon, elle adore que je la filme. Elle aime bien quand ça sort, etc. Mais c'est pour ça que j'ai essayé de la protéger. Non, je ne suis pas vindicative vis-à-vis d'elle. Je ne sais plus qui a dit ça. Seulement, je voulais un peu la protéger parce que je me sens responsable de tout ce qui s'est passé ces jours-ci. Voilà, tout simplement. Et donc, cela, ça va lui permettre de souffler parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle prenne plein la figure alors que c'est moi qui ai initié la chaîne et j'avais pas envie qu'elle s'en prenne, quoi, tu vois, tout simplement. Tout simplement. Donc là, lundi, je pense bouger. Je ne sais pas si John va bouger ou pas lundi. Moi, ça y est, bah, je vais descendre dans le sud. Je crois que lui va partir dans le nord. Bah, comme tous les nomades, en fait, je me rends compte que chaque nomade a ses besoins, tu vois. Par exemple, moi, bon, bah, moi, ça y est, maintenant, c'est clair et net. C'est l'eau et le réseau Internet. Bon, Krissa, ça a été de revoir l'océan. Je pense qu'il lui faut aussi de l'électricité parce qu'elle a quelques petits soucis encore avec son électricité. Et toi, des gens comme John, bah, qui vont dans une situation plus de minimalisme, bah, ses besoins sont autres. Il a besoin de se donner un défi. Bah oui, il pourrait s'acheter une douche chaude, il pourrait s'acheter, tu sais, les trucs solaires, ça coûte quoi? 7 euros, je crois qu'il m'a dit. Bah non, il n'a pas envie, tu vois. Chacun son défi, chacun son truc. Et là, bah moi, mon besoin, c'est pas d'être seule, seule, mais c'est vrai que comme tu l'as vu depuis le début, pour la technique, je compte beaucoup sur Crissa. Et là, j'ai pas envie, quoi. J'en ai marre. Je sais qu'elle m'aide beaucoup techniquement, et j'ai envie d'être autonome. J'ai pas envie qu'elle m'aide. J'ai plus envie qu'elle m'aide. J'aime pas trop, tu vois, demander tout le temps de l'aide pour le GPL et tout. C'est vrai que si c'est elle qui s'en occupe, parce que moi, j'ai peur. J'ai carrément peur du gaz. Pardon, ça tremble parce que. Oh là, pardon, mes doigts devant. Pardon, pardon. Voilà, j'ai essayé. Oui, le téléphone, je suis nulle. Alors, la qualité de l'image sera sûrement bonne, parce que le téléphone, il est bon. Mais c'est moi qui ai des bras en malabar mâché, quoi. Donc là, eh ben, j'ai défini mes besoins et c'est un peu comme si je devenais, tu sais, une grande fille qui veut être plus autonome, se débrouiller, pas sans maman, mais sans la grande sœur. Parce que c'est facile, hein. C'est facile de demander à Crissa, dit le GPL, le machin. Mais non, là, je me débrouille toute seule pendant quelques jours. Allez, comme dans toutes les familles, comme dans toutes les vraies amitiés, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et oui, suite à tous vos conseils et tout, j'oublie les rageux, j'oublie tout ça. J'ai sorti toute ma violence verbale parce que j'étais profondément triste et je ne vous cache pas que, bon, ça fait mal. Et maintenant, je continue mon petit chemin. Ciao, ciao!